Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mardi 9 mai 2023. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Avant de commencer, j'ai le choix de nourrir le positif en moi et de nourrir le négatif. Et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé abondance. Votre âme vous dit aujourd'hui, tu peux avoir tout ce dont tu as besoin, mais. Mais pour cela, s'il te plaît, écoute-moi. Une partie de tes énergies circule trop vite, et tu peux alors croire que nous ne sommes pas connectés. Tu peux avancer trop rapidement et tu ne prends pas le temps d'intégrer eh bien, tous les signes et toutes les synchronicités. Pourtant, rien n'arrive par hasard. Ça, tu le sais. Le hasard n'existe pas. Et chaque événement, chaque rencontre, a quelque chose à t'enseigner. Tout ce que tu vis ici sur terre, c'est un enseignement. Mais tu ne prends pas le temps de les vivre et de les comprendre. Alors tu peux avoir l'impression, eh bien, de stagner ou d'être dans une énergie de retard. Pourtant, l'abondance est là et très accessible. Pour cela et pour te connecter avec moi, prends le temps de respirer pour libérer ton chakra du plexus solaire. Prends le temps de méditer et de respirer d'une façon profonde. Tu vas te rendre compte alors que tu peux avancer avec un plus grand calme intérieur et une plus grande sérénité. Et c'est ainsi que tu vas regarder tout ce qui se passe autour de toi d'une nouvelle façon. Tu vas pouvoir t'ancrer grâce à ta respiration. Et tu vas pouvoir te libérer de cette énergie de stagnation. En fait, tout va prendre un nouveau sens. Tes guides te disent, ils t'invitent, tu es invité à avancer par étapes. Il y en a certaines que tu souhaites éviter, pensant que tu n'en as pas besoin. Et pourtant, ces étapes sont très importantes pour que tu puisses créer de nouvelles bases stables et durables dans le temps. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. Et c'est en vivant pleinement ces étapes, eh bien que tu vas être dans une nouvelle énergie de découverte de toi, des autres et du sens des événements qui t'entourent. Alors détermine tes priorités, le temps que tu souhaites leur consacrer et les objectifs concrets que tu souhaites atteindre. C'est logique. Et cette logique peut t'effrayer, mais elle est nécessaire pour que tu puisses être dans une énergie d'ancrage. C'est important. Tu vas continuer à être naturel et spontané,
mais tu vas pouvoir canaliser tes énergies pour te concentrer sur toi et sur tes attentes. Avance d'un pas assuré en respectant le chemin que tu as décidé de prendre. C'est très important pour que tu puisses être dans une énergie d'abondance. L'entité, elle te dit, j'ai longtemps cherché l'abondance, mais je me rends compte que je ne cherchais pas au bon endroit. Je n'avais pas forcément compris cette notion. Je pensais que l'abondance n'était que matérielle, alors qu'elle est beaucoup plus que cela, n'est-ce pas? Et c'est ainsi que je me rends compte que j'avais pu m'enfermer dans une carapace énergétique et que je n'étais pas à l'écoute de mes besoins. Évidemment, le matériel contribue au bonheur, mais il ne le crée pas. D'ailleurs, il n'y a que toi qui te rend heureux, heureuse. Le matériel apporte une stabilité pour être à l'écoute de soi. Ne sois pas dans la peur du manque. Quand tu es connecté avec toi-même, eh bien l'abondance est déjà là. Prends conscience que l'abondance matérielle est le reflet de tout ce que tu apportes à l'intérieur de toi. Je suis là pour t'aider à être dans une énergie d'abondance. Sois à l'écoute des signes concernant les questions matérielles et financières. Je te guide vers cet épanouissement pour que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, pour que tu puisses découvrir de nouvelles choses en toi. Il y a beaucoup, beaucoup de merveilles que tu es encore invité à découvrir. Très, très beau message, n'est-ce pas? Aujourd'hui, j'ai pigé une carte des 5 blessures, trahison. Aujourd'hui, si je vis une colère avec une personne du sexe opposé, je décide de prendre le temps de réfléchir aux peurs que j'ai pour moi dans cette situation. Et je le partage à cette personne. Si j'en suis incapable, j'accepte mon incapacité du moment causée par mes peurs tout en ayant de la compassion pour moi et en la ressentant en moi. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et puis moi, je vous embrasse. À demain.